Bonsoir, très chers amis qui êtes déjà présents dans la salle. C'est moi, Gilles Weber, ce soir à nouveau pour la présentation de la société Solar Group. Alors, Solar Group, oui, est une société financière internationale et parfois il y a des gens qui ne connaissent pas exactement le bien fondé et le rôle de Solar Group. Des fois, il y a même des confusions entre Solar Group et SOMH. Et je voudrais donc ce soir vous apporter quelques précisions sur ces sociétés, donner quelques indications, vous montrer qu'effectivement tout va bien du côté de Solar Group. Je vois qu'il y avait déjà une main levée. Si vous voulez garder vos questions, ce sera peut-être pour la fin. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai répondre à toutes vos questions par la suite. Ce soir, à nouveau, je suis en direct du Pénin. Où vous voyez, j'ai les couleurs qui s'affichent. Voilà, le Bénin est là. Et je voudrais donc vous présenter tout de suite cette soirée avec la présentation donc de la société en elle-même, parce que il est important de savoir avec qui on travaille, savoir un petit peu. Alors, j'ai peut-être un petit problème de son. Est-ce que je pense que vous m'entendez peut-être un petit peu mieux du coup? Voilà donc pour la présentation ce soir de la société Solar Group. J'espère que ça va mieux au niveau du son. De telle manière à ce que vous m'entendiez un peu mieux, parce que j'ai vu les têtes qui étaient déjà un petit peu sorties de la salle. Peut-être avait-il un problème pour m'entendre. Alors, eh bien, je vais vous dire bonsoir encore une fois. Si vous n'avez pas entendu ce que je disais, eh bien, c'est tout simplement parce que j'avais branché un petit micro par-ci, par-là. Donc, je vous présente tout de suite eh bien, cette société avec le document qui va avec et qui me permet de travailler avec. La présentation de la société financière Solar Group. Alors, qu'est-ce que c'est que Solar Group? Eh bien, c'est une société internationale de nouvelle génération et qui travaille dans le domaine du financement participatif. Solar Group est donc une société qui, grâce au crowdfunding ou au financement participatif, ou si vous préférez un mécanisme d'investissement collectif, eh bien, un vaste réseau de partenaires et qui organise le financement de projets technologiques et commerciaux prometteurs dans le monde entier. Solar Group offre aussi des fois des cadeaux. C'est le cas encore ce soir. Donc, si vous avez des gens qui ne sont pas présents dans la salle et que vous connaissez et qui ne sont pas connectés, eh bien, proposez-leur de se connecter. On va offrir ce soir encore, grâce à mon assistante Barbara, à chacun individuellement, un code qui va vous permettre d'acheter un nouveau pack avec 5% de réduction pour un pack du projet des moteurs 2009. Alors, la société Solar Group aide à relever des défis de modernité en offrant à chaque personne la possibilité de contribuer à la prévention de la planète et de devenir copropriétaire d'une entreprise au stade du capital risque. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, en fait, nous sommes sur un projet. Et que ce projet, nous allons essayer de le mener à bien en récoltant des fonds et en devenant copropriétaire de cette entreprise. Vous allez donc avoir l'occasion d'engranger des actifs à l'étranger. Et ce sont des revenus qui pourront vous être reversés dans le temps, qui seront en fait des revenus passifs. Et vous serez également partenaire dans le présent de la société et vous pourrez même y gagner de l'argent, mais ça, on va le voir dans quelques instants. Alors, quand on va parler un petit peu de la mission de Solar Group, parce qu'elle s'est quand même donné une mission, eh bien, la société contribue à la prévention de l'environnement et de l'écologie sur la planète en proposant et en mettant en œuvre un projet innovant. Un projet prometteur, un projet ambitieux et révolutionnaire, capable de changer complètement, eh bien, le marché de l'énergie et des transports et de s'éloigner des moteurs essence et diesel. C'est un petit peu l'objectif qui nous a été donné dans le premier projet que soutient Solar Group. Nous croyons fortement à pouvoir changer le monde. Notre mission est de préserver la planète en soutenant une technologie innovante, mais aussi une technologie qui assure le bien-être des participants du projet par le biais d'un peu d'écologie. C'est pour ça que vous voyez sur mon slide, eh bien, une planète et quelques feuilles vertes. Les chefs de l'entreprise, eh bien, c'est toute une organisation qui est mieux caractérisée par ses résultats. Donc, jetons un coup d'œil à ces différents résultats.
Aujourd'hui, le projet dont le financement est organisé par la société qui est organisée par la société Solaire Group, eh bien, compte plus de 340 000 participants inscrits dans le monde entier, dans près de 40 pays, dont 40 000 investisseurs et 15 000 partenaires répartis dans près de 200 pays, je vous le disais. La rétrospective du développement de la société, eh bien, c'est qu'elle a commencé ses activités en 2017 et nous avions quelques 20 000 participants. Donc, vous voyez ici sur ce slide que nous avions quelques 20 000 participants. Ça, c'était donc en 2017. Et aujourd'hui, eh bien, on en a bien plus que je vous ai déjà donné. À la fin de 2017, c'était 280 000. Et à la fin 2020, c'était le double. Eh bien, soit une multiplication par 10 en seulement 3 ans de travail. C'est quand même une société qui tient la route, on peut le dire. En 2018, eh bien, on a augmenté de 4 fois le nombre de clients. En 2019, le nombre de clients a été multiplié par 2. Et en 2020, il a encore été augmenté par 2. Donc, en termes de nombre de partenaires, eh bien, nous avons également augmenté de plus de 10 fois depuis 2017 et en termes de nombre de pays, presque 3 fois. Donc, vous voyez qu'effectivement, la société Solar Group commence à être de plus en plus connue. C'est un taux de croissance d'ailleurs assez incroyable. Selon les données, nous pouvons comprendre à quelle vitesse la société se développe et combien de nouveaux investisseurs et partenaires viennent à nous chaque jour. C'est important de le dire parce que des fois, il y a des gens qui doutent un peu. Aujourd'hui, Solar Group travaille dans tous les pays du monde et nous avons donc, on peut dire qu'en toute sécurité, que le projet est international et que les différentes personnes y participent avec des mentalités un peu différentes, c'est vrai, mais en même temps, toute personne peut partager un petit peu ses objectifs communs et des idées que promotionne la société à travers le monde et y prêter un tout petit peu attention. Donc, vous voyez ces différents chiffres qui nous ont été donnés là à l'instant. Entre 2017 et 2020, on n'a encore pas calculé 2021, bien qu'on va pouvoir bientôt rajouter un peu ces chiffres-là, parce qu'ils sont également tout aussi éloquents et ils sont tout aussi intéressants. L'équipe de Solar Group en personne. Alors, qui sont les personnes qui sont là? Eh bien, la société Solar Group est gérée par une équipe de chefs responsables, des professionnels qui se tiennent fermement sur leurs pieds. Cela a été démontré en 2020, malgré la situation difficile du Covid, eh bien, dans le monde entier, lorsque certains ont fait faillite, quand certaines sociétés ont fermé, que des entreprises ont licencié des gens, eh bien, Solar Group et le projet des moteurs du 9, eh bien, ont continué à se développer et à afficher des résultats plus que décents. Il faut dire que les actions que mène Solar Group sont des actions cohérentes, des bonnes opportunités et on a aussi des bons responsables d'équipe. Vous voyez ici, eh bien, Sergueï Semenov, qui est donc le PDG. Vous avez Pavel Filipov, qui est le responsable du département de la communication et des relations publiques, donc c'est le marketing. Pavel Chaski, qui est directeur commercial. Vous avez Aïssa Koutneskova, qui est responsable des réseaux du partenariat. Et dans ce cadre, eh bien, elle va nous produire des choses très intéressantes dans les prochains temps. Eugène Lavrinov, qui est le responsable du service client. Et vous avez Vitaly, qui est donc directeur informatique. Ah, sachez que j'ai quand même rencontré eh bien, un, deux, trois, quatre de ces personnes récemment lorsque j'ai été en voyage en Russie. Oui, j'ai été là-bas récemment, pour ceux qui ne le savaient pas. Et vous pouvez voir d'ailleurs des vidéos sur YouTube ou sur Facebook ou sur les différents réseaux sociaux que nous avons postés. Alors, la philosophie de l'entreprise, c'est quoi? Eh bien, la société Solar Group rassemble des investisseurs, des projets et des partenaires, et chacun de ces groupes a ses propres dispositifs et objectifs. Et pour chacun d'eux, Solar Group, eh bien, offre des opportunités et des avantages dans le cadre d'une coopération mutuelle entre ces différents acteurs. Alors, de quoi s'agit-il? Vous voyez que sur mon slide, il y a marqué donc, investisseurs, partenaires et projets. Donc, pour les investisseurs, eh bien, c'est l'une des idées clés de Solar Group, c'est de rendre l'investissement accessible à tous. Vous savez bien que, à la base, eh bien, quand vous vouliez acheter des actions auparavant dans une société, vous deviez aller à la banque et vous deviez acheter. Voilà. Là, ici, maintenant, vous faites ça en ligne sur un site internet et ça vous permet d'avoir des actifs dans une société. Permettons à chaque personne
eh bien, de partout dans le monde d'ailleurs, de soutenir l'innovation et de devenir copropriétaire de l'entreprise et d'en tirer profit à l'avenir. La faible participation, c'est-à-dire la faible participation au niveau du montant, hein, en lui-même, de l'investissement minimum, eh bien, la protection juridique des fonds, par le biais d'un contrat d'investissement d'ailleurs, eh bien, ainsi que le potentiel de rendement élevé que peuvent nous apporter les actions et les parts sociales que nous achetons aujourd'hui dans la société SauveLMH, eh bien, sont extrêmement attrayantes même pour les investisseurs débutants, parce qu'on n'a pas besoin forcément de mettre de grosses sommes derrière. Maintenant, on va parler un petit peu du projet qui se trouve complètement à droite de mon image. Eh bien, la société Solar Group possède une vaste expérience et une équipe capable d'organiser le financement de projets commerciaux qui sont prometteurs, comme par exemple le projet des moteurs de Younov, dont on va parler dans un instant. C'est d'ailleurs une grande base de clients fidèles de plus de 300 000 personnes qui sont prêtes à investir dans un nouveau projet et de le promouvoir. Lorsque le premier projet sera terminé, eh bien, la société Solar Group envisage de faire un autre projet. Et cet autre projet, eh bien, sera en continuité de celui déjà opéré, avec peut-être également quelque chose dans le domaine des moteurs électriques. C'est ce que nous avons d'ailleurs conseillé, Monsieur de Hunoff. Et je pense que on va pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire aux gens qui viendront également nous suivre après le premier projet réussi, et que cela apportera bien sûr pas mal de choses. Les responsabilités de Solar Group, eh bien, comprennent le soutien marketing au financement participatif, l'organisation d'un système d'investissement sous la forme d'un back-office et des fonctionnalités de réception de paiement, ainsi que la préparation de la base juridique. Donc, c'est un petit peu le rôle de Solar Group quand on fait un projet. C'est-à-dire qu'on a certaines composantes qui sont là, encaisser de l'argent, pouvoir apporter du côté marketing, amener une base juridique par rapport à ce que les gens achètent. Voilà, tout ça, c'est vraiment important. Alors maintenant, on va parler des partenaires qui sont au milieu de mon slide et qui sont vraiment très importants. Nos partenaires sont donc des personnes comme vous et moi, eh bien, qui ont une position de vie active. Ils veulent faire des affaires utiles et puis aussi gagner de l'argent, bien sûr. Faire partie d'une grande communauté et en faisant la promotion du projet, eh bien, vous avez l'occasion de gagner de l'argent en recevant des récompenses, des bonus, donc décents pour le travail que vous effectuez. C'est-à-dire que si vous promotionnez le projet en lui-même, si vous en parlez autour de vous, si vous faites ce qu'on appelle du parrainage, eh bien, vous avez l'occasion de gagner de l'argent grâce à cela. Être investisseur et être partenaire, eh bien, ce sont deux possibilités différentes. C'est-à-dire que vous avez possibilité d'une part d'investir dans le projet, mais vous pouvez aussi être partenaire et gagner de l'argent rapidement. Ça, on va encore le voir dans un instant avec un peu plus de détails encore. Et bien que historiquement la plupart des partenaires soient principalement des investisseurs, eh bien il y a aussi beaucoup de partenaires, c'est-à-dire des gens qui se lancent dans le business et qui comprennent comment ça fonctionne et qui veulent gagner de l'argent et qui gagnent de l'argent en plus de ça. Quels sont les produits que propose Solar Group? Ben oui, là, il faut en parler un petit peu parce que si on ne prend que pur et durement la société Solar Group et qu'on ne sait pas ce qu'elle fait, c'est un petit peu compliqué. Le produit pour nos clients, eh bien, ce sont des parts sociales dans la future entreprise rentable de développement des moteurs électriques à bobinage combiné, c'est l'Avianca. C'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, le projet principal de Solar Group, c'est justement le projet des moteurs de Younov. Et si nous parlons de notre projet actuel, eh bien, ce ne sont pas seulement des parts dans une entreprise ordinaire, mais ce sont des parts dans une entreprise qui est capable de révolutionner l'industrie des moteurs électriques et de changer le monde en mieux. La vie des gens sur la planète est bien importante et l'écologie qui est proposée autour des moteurs électriques de Monsieur Dunoff, eh bien, c'est un avantage et ça assure le bien-être de chaque participant à l'avenir sur la planète. Voici le bureau technologique d'études et d'ingénierie SauveLMH. Le but de ce projet du moteur de Hunov, c'est la construction du bureau d'études et d'ingénierie qui gagnera de l'argent dans le développement des moteurs. Alors, je vous rappellerai qu'il y a quelques jours, nous étions avec mon assistante Barbara, nous étions justement au pied de ce bâtiment et, qui est en construction et nous avons eu l'occasion de faire des images, des photos, des vidéos. Donc, plus de doutes à avoir par rapport à d'éventuelles choses, c'est que parfois on nous demande si c'était bien vrai, si c'est là où vous voyez une image virtuelle du bâtiment, et on peut parfois se poser des questions. Eh bien non, nous étions réellement sur le chantier, nous l'avons visité, et nous pouvons dire que réellement nous avons touché du doigt la construction en elle-même.
Donc, cette société Sauvelmash gagnera de l'argent dans le développement des moteurs électriques. C'est-à-dire que le monsieur qui s'appelle Dunoff, eh bien, il va développer des moteurs, c'est-à-dire qu'il va les créer de A à Z, et il va donc pouvoir les proposer à ses clients. Et ceci pour diverses applications selon les besoins du client. Ça peut être automobile, ça peut être un outil à main, ça peut être des moteurs pour pour l'industrie, etc., etc. Beaucoup de domaines sont touchés, bien sûr, par les moteurs électriques. En moyenne, sur le marché mondial, il faut savoir que le coût d'un service de Monsieur Dunoff pour développer un moteur électrique est de 50 millions de dollars. Donc, on a aussi, par rapport notamment, par exemple, au conflit actuel qu'il peut y avoir, des doutes sur la possibilité que la société Sauvelmash puisse travailler. Déjà, il y a le marché interne de la Russie. Or, le marché interne de la Russie comporte des milliers de gens qui sont susceptibles de faire des appels à Monsieur Dunoff. Surtout qu'en plus de ça, même si le marché de la pièce de rechange ou la pièce qui constitue le moteur, eh bien, elle n'est plus importable dans leur pays, eh bien, il faut savoir que la société Sauvelmash fabrique aujourd'hui la majorité des produits qui sont dans ces moteurs et qu'il n'y a donc pas de crainte à avoir de ce côté-là. Aussi, le marché asiatique, qui n'est pas loin, est un marché qui est également très porteur. Sachant, comme je viens de vous le dire, que la société Solar Group eh bien, a la possibilité de créer un à trois moteurs par an à 50 millions de dollars. Vous voyez ce que ça représente. On n'a pas besoin non plus de centaines de clients. Et ces quelques clients qu'on a besoin, eh bien, on va facilement les trouver en Russie ou en Chine. Aujourd'hui, le projet principal de Solar Group, c'est uniquement ce projet des moteurs Dunoff. Et nous parlons de notre projet actuel. Ce sont pas seulement des parts, hein, donc dans une entreprise. C'est encore une fois quelque chose de très important par rapport à tout ce qui est sur la planète. La SARL Sauvelmash, donc la société que nous soutenons, vous voyez, c'est marqué là, le bureau d'études et d'ingénierie, eh bien, se situe dans la zone économique Technopolis Moscou. C'est quoi cette zone économique? En fait, c'est une zone franche. Cette société a été créée dans le but de générer des bénéfices grâce à la commercialisation de la technologie de type Slavyanka. Ce sont des bobinages combinés qui permettent à des moteurs d'avoir des caractéristiques bien plus importantes. Les tâches résolues par la société Sauvelmash, le développement et la mise en production de moteurs qui sont en circulation dans le domaine d'activité vitale, tels que des machines, outils, des machines économiques et des machines éco-énergétiques, eh bien, sont donc prévu d'être mise en œuvre par Monsieur Dunoff et toute son équipe. Il faut savoir également que l'emplacement de la future entreprise sera donc ce territoire de la zone économique spéciale à Alabouchevo, Technopolis Motsu. C'est comme ça que ça s'appelle le secteur, c'est très précisément le site appelé Alabouchevo, parcelle numéro 16. Ça n'a pas été choisi par hasard et celui-là donne un certain nombre d'avantages, par exemple la réduction d'impôts. Donc, si la société a moins d'impôts à payer, ben, en fait, c'est un avantage pour les investisseurs parce que ça va permettre de dégager plus de bénéfices. Je peux d'ailleurs vous donner quelques chiffres. Le fait d'être dans une zone économique spéciale, ce qu'on appelle une zone franche dans notre pays, eh bien, c'est 2% d'impôts sur le revenu, à la place de 18, je crois, ou 20%. 0% sur les taxes foncières. Donc, on n'a pas de taxes foncières à payer, surtout que le terrain, il a été gentiment alloué par la ville de Moscou et que, à la fin du projet, eh bien, on va pouvoir le racheter à 1% de la valeur cadastrale. 0% de taxes sur les transports. Là, non plus, il n'y a rien à payer. 2% sur la location du terrain. Ah, c'est 2%, vous voyez. 2% sur la location du terrain, ce n'est pas beaucoup. Donc, 1% de la valeur cadastrale, c'est ça, du site, c'est le prix de rachat du terrain, en fait. Lorsque le bâtiment sera complètement fini et que la société envisagera de rentrer en bourse, parce que c'est le cas de la société Sauvelmash qui envisage de rentrer en bourse. Je précise bien, ce n'est pas Solar Group, d'accord? Solar Group, c'est la société qui fait le financement participatif. Et Sauvelmash, c'est la société que nous soutenons et qui crée des moteurs électriques. Alors, le moteur électrique en question. Parlons un peu plus en détail de ce projet qui est actuel et qui est donc le projet principal soutenu par notre société Solar Group. Les moteurs de Dunoff, c'est un projet international qui vise à développer et à introduire sur le marché mondial une technologie des bobinages Slavyanka. Et pour son auteur, l'ingénieur Dmitri Dunoff, c'est de développer tout cela avec son équipe dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou.
La technologie permet à la société Solar March bien de développer des moteurs électriques de nouvelle génération qui utilisent ce moteur. Et bien, ce sont les gens dans le transport, dans l'agriculture, dans la vie quotidienne, de nombreux autres domaines. Vous avez les transports également, vous avez l'aviation, vous avez les fêtes foraines pour faire tourner les manèges, etc. Voilà, nous, on a d'ailleurs été récemment sur une grande roue à Sochi, qui est dans le parc, l'ancien parc olympique de 2014. Et cette grande roue fonctionnait avec quatre moteurs, quatre gros moteurs, un peu comme ceux que vous voyez là sur l'image. Et c'était quatre gros moteurs qui faisaient tourner toute la roue. Et c'était fort intéressant de voir que ces moteurs pourraient peut-être consommer jusqu'à 40% d'électricité en moins, ce qui amènerait un peu plus de rentabilité à celui qui fait tourner le manège, par exemple. L'omniprésence de certains moteurs avec la présence notamment de bobinage de type Charanka peut résoudre le problème de la faible efficacité énergétique. Parce que là, on est sur quelque chose où les équipements et des ressources de la planète sont liés à la pollution de l'environnement. Et ça permet d'améliorer la qualité de la vie de millions de personnes si on consomme 40% d'électricité en moins. Dunioff et son équipe ont d'ailleurs été attirés par une grande équipe expérimentale. C'était que quand Solar Group est venu voir Dunioff, ils ont vu que l'équipe que Dunioff a une grande expérience dans le domaine et c'est pour ça qu'ils les ont suivis également. Il est important que le projet de Dmitri Dunioff soit d'ailleurs basé sur des technologies qui ont commencé en Union soviétique. Et on existait plus d'écoles d'ingénierie à l'époque dans ces pays-là qu'aujourd'hui. Et il faut dire qu'il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, notamment des ingénieurs, et qui sont partis dans d'autres pays pour développer leurs technologies. Et maintenant, beaucoup de gens apprécient que Dmitri Dunioff soit resté dans son pays et qu'ils croient en son projet et qu'ils essayent de le suivre comme les 300 000 personnes que nous sommes déjà dans le projet en lui-même. Reparlons un petit peu des problèmes environnementaux et de la production d'électricité qui est en fait un des facteurs les plus néfastes qui affectent l'environnement. L'homme a interagi et influencé son environnement depuis son apparition sur la planète. Mais son influence n'a atteint une échelle vraiment tangible qu'au partir du XVIIIe siècle, avec le début de la révolution industrielle. Et à ce moment-là, l'homme il est sorti du cycle naturel du règne animal, végétal, et a commencé à dicter ses propres règles à la planète. Et ils ont commencé à sortir toutes les substances qui sont saisies par l'homme dans la nature, qui sont revenues dans la nature, mais sous une forme différente, c'est-à-dire la pollution. Donc, la pollution globale des sols, c'est l'eau, l'air, qui s'est traduite par une crise écologique. Et il faut que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, il y a un problème écologique sur la planète. Le problème est que l'intensité de ce processus continue de croître à un rythme catastrophique, notamment le charbon, le pétrole, le gaz, toutes ces choses-là qui sont utilisées et qui retombent dans l'atmosphère et qui retombent dans les sols et qui polluent justement la planète en elle-même. Le projet des moteurs du Dunioff permettra à l'échelle mondiale d'améliorer la situation de l'équipement et des ressources de la planète en améliorant les pollutions atmosphériques. C'est ce qu'on appelle le smog. Si vous ne connaissez pas ce mot, vous pouvez chercher sur Wikipédia. Smog, c'est en fait les fumées de pollution qui sont par exemple au-dessus de la ville de New Delhi en Inde. Sachez d'ailleurs que l'Inde a déclaré que d'ici 2025 à 2030, tous les véhicules qui sont de type pousse-pousse ou des trois roues ou des tricycles et tout ça, tous ces gens-là vont devoir avoir des moteurs électriques à l'avenir. Donc, vous voyez que l'Inde a déjà un extrêmement grand potentiel dans ce domaine. Alors, les caractéristiques de la technologie, je voudrais quand même vous les rappeler rapidement parce qu'on n'en parle pas suffisamment et c'est quand même important de parler de ce projet sous une autre forme qu'habituellement. D'abord, il y a l'économie d'énergie, 40% d'économie d'énergie. Il y a également 30% de réduction de fabrication du produit. Alors, souvent, quand un produit est innovant, il coûte plus cher, alors que là, ce n'est pas le cas, il est même moins cher. Le facteur de service est un facteur beaucoup plus élevé, c'est-à-dire que la durabilité des moteurs est beaucoup plus importante. Par exemple, la fiabilité des moteurs électriques de bobinage combiné de type Slalom K que propose M. Dunioff
est supérieure à celle des concurrents. Et certains moteurs électriques, d'ailleurs, qu'utilise Monsieur Duhinoff, et cette technologie fonctionne sans réparation depuis plus de 20 ans. Donc, vous voyez que ça résiste vraiment dans le temps et que ce n'est pas un truc qu'on met à la poubelle au bout de 2 ans, quoi. Il y a d'autres avantages que les moteurs électriques des moteurs Duhinoff offrent, mais je ne veux pas ici m'étaler trop loin sur ce sujet-là. Il faut que l'on avance un petit peu dans le projet en lui-même et vous montrer peut-être aussi la feuille de route que nous avons tracée avec SolarGroup. Actuellement, SolarGroup est engagé dans l'organisation du financement du projet des moteurs, et ça, je vous l'ai dit, et nous rencontrons la possibilité, depuis 2017, de lever des fonds pour ce projet. L'achèvement de son financement et l'exécution de l'engagement sont prévus normalement en fin de l'année 2022, on espère en tout cas. Ceci est très important parce que l'objectif est toujours d'atteindre la dernière étape qui est l'étape 20 du projet. Nous avons 20 étapes à parcourir. Nous sommes, je vous le rappellerai, à l'étape 17 pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et si vous regardez l'histoire du projet, bien, vous pouvez voir que avant son lancement, beaucoup a déjà été fait dans le cadre du développement de cette technologie. Par exemple, en 1995, Dmitri Duhinoff a conçu les premiers moteurs à bobinage combiné, c'était en 1995. Vous voyez que ça date un petit peu quand même. En 2011, eh bien, il y a eu un bon début dans ce sens, où l'application pratique plus large des moteurs Duhinoff a obtenu son premier brevet. Donc, premier brevet en 2011. Vous voyez que là encore, ce n'est pas quelque chose de tout récent. Début du projet d'investissement participatif, c'était en 2017. C'est là que SolarGroup a rencontré M. Duhinoff et que vous voyez que sur ce slide, c'est indiqué que le projet a démarré en 2017 et on a d'ailleurs créé la société Sovelmash en 2017. 2017, préparation des documents pour le projet d'obtention du permis de construire du bureau technique d'études et d'ingénierie. Et l'obtention en 2019 du terrain, du statut de résident dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou, ce qui apporte une garantie, un avantage au projet. Ça permet de plus y croire, d'avoir un soutien de l'État, c'est quand même pas négligeable. Ça apporte beaucoup de sécurité aux gens qui souhaitent investir dans ce projet. Et début 2020, début de la construction du bureau d'études, tout au long de l'année 2021, construction a continué avec un bel été où on a vu un bâtiment qui a grandi très, très vite. Et on a fini le cycle zéro de l'installation des plots qui sont donc en fait les fondations. Et le cadre métallique du bâtiment a été terminé et monté. Le bureau technique devrait être mis en service dans le second semestre de 2022, c'est-à-dire d'ici l'automne, disons octobre 2022. C'est en tout cas les chiffres qu'on nous donne pour l'instant. On avait parlé à un moment de mai, de juin, juillet. Bon, allez, on va pousser un petit peu jusqu'à octobre. De toute façon, quelle que soit la durée que ça va mettre, l'essentiel, c'est que ça aboutisse, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vraiment un ou deux mois qui vont faire la différence parce que quelle que soit la façon dont on atteint le but, l'essentiel, c'est de l'atteindre. Ce n'est pas de s'arrêter en cours de route. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le bureau technique d'études et d'ingénierie eh bien, bat son plein pour être construit dans les temps et apporter un outil de travail à M. Duhinoff qui permettra ensuite d'étudier des moteurs et de créer des moteurs pour des clients qui sont déjà à la porte et qui font beaucoup. C'est quand que vous commencez, c'est quand qu'on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Alors, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la société Sovelmash, eh bien, elle dispose de locaux qui sont loués. Elle n'est pas comme ça dans le vide, elle n'attend pas juste la construction et elle ne fait rien. Elle fait déjà beaucoup de choses. La société Sovelmash eh bien, fait déjà des mesures pour des clients concurrents qui créent des moteurs. Sachez qu'ils ont quand même le laboratoire le plus perfectionné de toute la Russie et que c'est quand même un outil de travail excellent qui peut mesurer des moteurs un peu à l'équivalent des moteurs essence qui sont faits par Kamaz. Je ne sais pas si vous connaissez Kamaz, vous savez, ils ont fait le Paris-Dakar également. Eh bien, Kamaz, c'est le spécialiste des moteurs. Ils ont le meilleur laboratoire pour les moteurs à essence et diesel. Par contre, Sovelmash, eux, c'est pour les moteurs électriques. C'est le laboratoire le plus performant de toute la Russie pour tester les moteurs. Alors, on va parler de l'investissement participatif tout de suite. C'est ce qu'on appelle également le crowd investing ou investissement participatif ou financement participatif. C'est un outil financier pour attirer les investissements collectifs d'un large éventuel d'investisseurs. En fait, c'est un peu tous les gens qui veulent adhérer
et qui veulent adhérer avec peu de fonds. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, eh bien, ils ont plus ou moins d'argent, mais il y en a qui ont très peu d'argent et qui voudraient participer. Eh bien, sachez que ça vous est possible grâce à la faible, aux faibles mensualités que vous pouvez payer dans les packs que vous allez acheter, parce qu'il s'agit d'acheter des packs de parts sociales qui sont assez nombreuses. Le pack, il y a beaucoup de parts dedans. Et par exemple, pour un premier pack, il y a 53 500 parts dedans. Et ça vous coûte environ 50 $ par mois sur 10 mois, soit en France CFA, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de l'Afrique de l'Ouest francophone et de l'Afrique centrale aussi. Eh bien, c'est environ 35 000 francs CFA par mois pendant 10 mois pour acquérir un pack de 53 500 parts. Donc, vous voyez que on peut acquérir beaucoup de parts qui auront une valeur de 1 $ à l'entrée en bourse d'ici 2 ou 3 ans et qui permettra justement aux gens d'avoir des vrais actifs à l'étranger et surtout quelque chose de solide qui ne craint pas ni les problèmes géopolitiques ni quoi que ce soit, dans la mesure où le marché est là, le marché est présent. Et je voudrais aussi préciser au passage que la société Solar Group n'est absolument pas en Russie, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, et que de ce côté-là, il n'y a absolument rien à craindre non plus, parce que d'ailleurs, nous pouvons faire tous les jours des paiements sur la plateforme Solar Group, des paiements pour participer au projet, et nous recevons également, à l'inverse, des montants d'argent qui nous sont payés par Solar Group sans aucun problème, dans la mesure où je vous rappellerai encore une fois que Solar Group n'est absolument pas en territoire russe, ils sont à Vanuatu. Vanuatu, c'est une île dans le Pacifique. Alors, les instruments financiers et les domaines d'investissement sont assez nombreux aujourd'hui. Mais l'investissement participatif est l'un des plus prometteurs au monde. Aujourd'hui, les plateformes de financement participatif se comptent par centaines, voire par milliers. Il suffit que vous tapiez financement participatif sur Internet, vous allez voir des tas de sites qui vont sortir sur Google et vous n'aurez même pas à vous donner la tête tellement il y en a. L'investissement participatif est un processus dans lequel, eh bien, c'est un grand nombre de personnes qui vont investir et qui s'unissent pour co-investir dans une entreprise. Ce qui fait que, quel que soit le nombre de personnes, quels que soient les montants qui sont versés, le projet aboutira forcément parce que si c'est pas l'un qui paye, c'est l'autre. Et donc, du coup, comme on récolte toujours plus de fonds, qu'il y a toujours plus de gens qui adhèrent, eh bien, ça fait qu'on finit par atteindre l'objectif du projet en plus ou moins de temps. Parce que, bien sûr, s'il y a des gens qui abandonnent leur pack ou s'il y a des gens qui ne payent pas, eh bien, forcément, il faut à un moment donné les remplacer. Et c'est là que, le projet prend plus de temps. Et alors, parfois, on nous pose des questions, on nous dit, oui, mais vous avez dit que ça allait finir en telle année, tel mois, etc. Non, 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 on n'a rien de ce genre-là. Moi, je vous rappelle tout simplement qu'un projet, c'est reste un projet, et que le mot projet, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est quelque chose qui n'est pas abouti. Donc, il y en a des fois qui répondent, ah bon, mais comme ça veut dire que finalement, on peut encore attendre longtemps. Oui, vous pouvez encore attendre un certain temps. Un certain temps qui dépend des investisseurs. Plus vous allez avoir d'investisseurs, et rapidement, et plus tout le monde va payer à temps, et plus il y aura des chances à ce que cela aboutisse. Seulement, si les gens abandonnent, par exemple, leur paiement ou que les gens ralentissent à parler du projet autour d'eux, eh bien, forcément, il y aura beaucoup moins de possibilités à ce que le projet avance et que le projet se termine. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Vous savez, chaque particulier investit autant qu'il peut se permettre. Mais à un moment donné, quand on prend un engagement de payer quelque chose, eh bien, il faut le poursuivre. Et c'est un peu le gros problème qu'il peut y avoir. Les gens ont toujours un peu autre chose qui leur tombe sur le coin de la figure. Et à ce moment-là, il y en a qui arrêtent de payer les packs. Et c'est ce qui ralentit également, par exemple, un processus. Est-ce qui ralentit, eh bien, le financement d'un projet? Donc, il y a ce qu'on appelle à un moment donné, ça se tarit un petit peu parce que ben, les gens sont plus pressés à avoir des retours sur investissement, alors que finalement, il faut d'abord finir le projet pour avoir un retour sur investissement et il faut d'abord atteindre le premier objectif avant que l'on pense à récolter des fruits. Vous savez, c'est l'arbre que l'on plante, mais on oublie de l'arroser en fait. Mais si vous oubliez de l'arroser, ben, il aura un peu plus de mal à pousser et à donner des fruits. Donc, c'est un peu pareil, hein. Donc, ici, c'est le business. Et si vous arrosez avec des dollars, eh bien, ça continue à pousser. Et si vous n'arrosez pas, eh bien, en fait, ça dessèche. Et si ça dessèche, eh bien, il faut tout relancer à un moment donné. Et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est une petite image que je voulais vous donner. Ensuite, il faut savoir que le projet en lui-même, une fois qu'il aura abouti, ben, il va distribuer ses bénéfices. Les bénéfices, il y a des bénéfices, bien sûr. Alors, c'est aussi vrai que on souhaite bien sûr que la société SOMH eh bien, fournisse des bénéfices. Mais avec des clients à 50 millions de dollars, je pense qu'on a largement de pouvoir avoir des bénéfices.
à redistribuer à tous les actionnaires qui seront donc de futurs actionnaires, parce qu'aujourd'hui, ce sont des parts sociales dans une SARL et que la société Solelmash va se transformer ensuite en une société anonyme. La société financière Solar Group, eh bien, travaille précisément sur le marché de l'investissement participatif et le fait avec succès. Parce que, comme je vous le disais, malgré les crises qu'il peut y avoir, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient le Covid, qu'elles soient tout autre, eh bien, la société Solar Group avance et avance chaque jour. Nous avons d'ailleurs remarqué que souvent, quand il y a des conflits ou quand il y a des problèmes, eh bien, les gens mettent encore plus d'argent dans le projet et cela nous rassure. Alors, pourquoi la société Solar Group est-ce qu'elle travaille sur le marché de l'investissement participatif? Pour quelles raisons? Parce que c'est peut-être aussi un marché qui est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses et les plus rapides au monde. Regardez les chiffres qui sont là sur le tableau. Au moment du lancement de Solar Group en 2017, le marché mondial de l'investissement était de 34 milliards de dollars. Et ce faisant, il va atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2025. D'ailleurs, la société Solar Group s'était donné un objectif de récolter plusieurs millions de dollars, encore 250 millions de dollars, ils avaient dit à un moment donné, d'ici 2025, dans différents projets qui vont venir après le projet des moteurs de Unov. Alors, si on regarde les statistiques, eh bien, au cours des 10 dernières années, on voit que le marché mondial d'investissement participatif a au moins doublé chaque année. Regardez voir, 5 milliards, 34 milliards, 300 milliards, 2 billions. Vous voyez que c'est énorme. Au moment du lancement, donc, à l'époque, je vous le disais, il y a eu 34 millions et maintenant, c'est beaucoup plus. D'ici là, l'investissement participatif, eh bien, deviendra une obligation dans un portefeuille d'investissement. On parle de l'année 2025 ou 2030. Les gens qui auront un portefeuille d'investissement, eh bien, ne pourront pas contourner le financement participatif parce que ça fera partie de la vie de tous les jours. Il y a des gens encore qui ne connaissent pas le financement participatif. Il y a des gens qui le découvrent. C'est pour ça qu'il faut qu'on explique aussi quel est le principe de fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez donc un objectif, vous avez quelqu'un qui a une bonne idée, et vous avez des gens qui commencent à financer à la hauteur de leurs moyens. Et on leur donne bien sûr ce qu'on appelle des parts sociales en échange, ce qu'on appelle le crowdfunding equity. Donc en fait, c'est quelque chose d'équitable. Vous donnez de l'argent et en échange, on vous donne une part du gâteau. Là, on vous donne une part de la société Solmash. Alors, pourquoi est-ce que, on peut se poser la question, hein, pourquoi est-ce que l'investissement participatif, eh bien, est-il en poupe ou a-t-il une activité intense en ce moment? Eh bien, c'est rendu possible par le développement de la technologie d'Internet, notamment les technologies modernes. Parce que grâce à Internet, eh bien, les gens peuvent communiquer entre eux, se réunir dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Telegram, dans des groupes sur Facebook, etc. Et les communautés trouvent parfois des affaires intéressantes à investir ensemble. C'est pour ça que l'une personne peut parler à l'autre et dire, voilà, moi j'ai trouvé quelque chose, viens dans la communauté, viens, on t'explique dans mon groupe comment ça fonctionne, et ça permet d'avancer et de créer quelque chose ensemble. Et grâce au système bien d'automatisation, eh bien, les projets d'affaires peuvent accepter des investissements de n'importe quel pays en nombre illimité d'investisseurs. C'est-à-dire que le système qui est mis en place de la plateforme sur Internet, par exemple avec le back-office de Solar Group, eh bien, permet d'accueillir un bon nombre de personnes et même d'accueillir plusieurs projets en même temps. Auparavant, il n'y avait pas de telles opportunités. Les projets d'affaires, eh bien, prenaient de l'argent dans le développement par les banques, auprès des institutions financières, des grands investisseurs. Et pour les gens ordinaires et pour les gens qui sont même presque un peu pauvres, eh bien, le capital n'était pas suffisant pour pouvoir participer à quelque chose. La possibilité d'investir n'était absolument pas possible et puis simplement pas disponible pour la catégorie sociale la plus basse sur notre planète. Ceci dit, le monde change. L'industrie de la finance, eh bien, change aussi. Maintenant, les projets d'affaires n'ont plus besoin de couches intermédiaires sous forme de banques ou des fonds d'investissement qui peuvent imposer leurs conditions, qui étaient d'ailleurs des conditions pas forcément très bonnes. Et les entreprises peuvent attirer maintenant des financements de la part des gens ordinaires comme vous et moi. Et les gens ont accès à divers projets innovants et intéressants et qui puissent rapporter de l'argent et en tirer profit au fil du temps. Voilà donc le principe de fonctionnement du financement participatif en lui-même. Parlons un peu des investisseurs. Eh bien, les investisseurs, ce sont des gens, des clients, qui, sur la base d'un contrat d'investissement, eh bien, achètent des participations dans la société.
Et la société a pour but de réaliser des bénéfices grâce à ces dividendes, les dividendes étant l'argent que la société a gagné sous forme de bénéfices et que la société va ensuite redistribuer donc suite à des ventes rentables à ses actionnaires qui auront acheté des parts de la société. Donc, Solar Group permet à toutes ces personnes d'investir dans le projet avec un haut rendement et ainsi devenir copropriétaire de l'entreprise qu'elle promotionne et qu'elle soutient financièrement. Donc, c'est le principe de l'investisseur, là que de l'investisseur. Donc, l'investisseur, il achète des parts sociales et au fil du temps, avec les parts sociales qu'il a achetées, eh bien, il va avoir un retour sur investissement au bout d'un moment. Maintenant, une fois qu'on a parlé des investisseurs, parlons des investisseurs, mais qui sont peut-être aussi des partenaires, parce qu'il y a aussi les partenaires. Et ça, les partenaires, eh bien, ce sont les clients de la société qui ont conclu un contrat de partenariat et qui décident par eux-mêmes de promotionner le projet en lui-même, c'est-à-dire d'en parler autour d'eux. Ce sont officiellement des gens qui se sont engagés pour promotionner l'information et donner l'information des produits de la société à d'autres personnes. C'est-à-dire que vous partagez l'info. Ah, bonjour, salut, comment ça va? Est-ce que tu n'es pas au courant? Il y a un super projet qui est là. Eh bien, et comme ça permet d'avoir des possibilités justement à ce que les personnes adhèrent également et achètent également. L'avantage de l'entreprise de partenariat avec Solar Group, c'est un développement de promotion professionnelle rapide. Donc, vous avez la possibilité de gravir des échelons, d'avoir des statuts à l'intérieur de la société. Vous avez une liberté d'action, notamment horaire. Vous avez un environnement fort parce que vous avez des gens qui sont là, qui vous connaissent déjà le boulot et qui sont susceptibles de vous aider à comprendre. Vous avez aussi une croissance et un développement personnel parce que vous allez pouvoir atteindre des statuts importants et gagner de l'argent. Et une reconnaissance du mérite de la réalisation dans la mesure où vous gagnez de l'argent avec des avantages importants. Solar Group vous propose un job, vous propose un business, où vous êtes à votre propre compte et où vous allez promotionner eh bien, le projet des moteurs de Unov. Vous pouvez commencer à partir de zéro, sans rien. Bon, ce n'est pas vraiment l'idéal parce qu'il vaut mieux avoir acheté au moins un pack, que vous ayez un peu de crédibilité. C'est ce que j'explique souvent aux gens. Si vous commencez et que vous n'avez pas acheté vous-même au moins quelque chose, eh bien, ça fait que celui que vous allez rencontrer, à qui vous allez en parler, la première des choses qu'il va vous demander, et toi, tu as déjà pris un pack? Et toi, tu as déjà acheté des parts dans cette société? Et si vous dites non, eh bien, la personne va vous dire, eh bien, je vais faire pareil, je vais attendre le temps que tu sois décidé ou le temps qu'on me prouve que c'est quelque chose d'intéressant. Si vous-même, vous avez déjà eu l'occasion d'investir vous-même personnellement, eh bien, ça va vous donner un avantage sur ce fait de dire à la personne que vous avez vous-même déjà investi. Alors, vous pouvez participer dans Solar Group absolument sans risquer quoi que ce soit. Et quand vous gagnerez les premiers bonus de partenariat, eh bien là, vous pourrez aussi investir. Mais c'est beaucoup plus dur, hein. Moi, je dis souvent qu'il faut au moins le triple de travail pour avoir plus de crédibilité. Pourquoi? Parce que vous allez perdre plus de gens si vous n'avez pas investi vous-même dans un pack. Si vous-même, vous ne savez pas comment ça fonctionne, comment on rentre dans le back-office, comment on charge le back-office, comment on fait une vérification. Comment on achète des packs de parts, si vous n'avez pas fait toutes ces étapes et que vous n'y connaissez rien, eh bien, vous aurez du mal à convaincre les gens de faire la même chose que vous. Un partenaire, ça peut être tout client qui est âgé de 18 ans et plus, c'est important, inscrit sur le site web de Solar Group et qui a signé un accord de partenariat et passé une vérification du compte qui, en fait, consiste à télécharger une pièce d'identité et une attestation de domicile, de savoir où vous habitez. Parfois, on nous demande où c'est qu'on peut sortir ce genre de document. Sachez que vous pouvez aller à la mairie ou que vous pouvez aller à la police pour chercher ce genre de document, ou alors chez le chef de quartier dans certains pays, comme par exemple au Bénin. Peu importe où vous vivez, hein, combien vous gagnez maintenant, ce que vous avez fait avant, peu importe si vous êtes un homme, une femme, votre âge, votre éducation, votre profession, votre statut social dans la vie, peu importe, vous pouvez accéder à ce business et réussir et gagner de l'argent. La possibilité d'une coopération efficace, mutuelle, bénéfique avec Solar Group dans le cadre du marketing de partenariat est ouverte à chacun. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut améliorer sa situation financière. Tout le monde peut rejoindre le projet globalement utile, parce que utile dans le sens où nous allons apporter quelque chose à la planète, je vous le rappelle.
Donc, si vous prétendez à bien plus que vous n'avez actuellement, si vous voulez gagner un peu plus d'argent, bien c'est une excellente opportunité que vous allez pouvoir saisir, soit pour un complément de revenu, soit pour tout simplement un revenu décisif dans votre vie, parce qu'on gagne vraiment de l'argent avec cela. Parlons maintenant à présent du programme de partenariat qui vous permet justement de gagner de l'argent. Sans exagérer, on peut dire que le programme de partenariat représente le marketing du 21e siècle. Vous savez bien que partout, on vous propose d'adhérer à quelque chose. C'est le modèle économique d'entreprise le plus progressif de la planète, avec la possibilité de travailler, de gagner en tant qu'entrepreneur libre, privé, aux côtés des grandes entreprises et en faisant la promotion de leurs produits, services et projets. Vous savez, Solar Group n'est pas le seul à faire du marketing de réseau. Beaucoup de gens font du marketing de réseau, beaucoup de gens font de la promotion de liens de partenariat, de liens d'affiliation, de produits qui sont à vendre, que ce soit des produits physiques, que ce soit des formations par exemple. Maintenant, les programmes de partenariat sont extrêmement populaires dans le monde entier et dans divers domaines. Souvent, les gens ne le remarquent pas, mais attention, ils participent en fait. Le programme de partenariat est utilisé par les compagnies d'assurance, les agents immobiliers et même les magasins de marchandises. Regardez Amazon, Jumia, tous ces gens-là, ils ont des biens et que si vous donnez le lien d'un article, eh bien, vous pouvez gagner des pourcentages et vous pouvez avoir de l'argent qui tombe dans votre escarcelle, comme on dit, dans votre poche, de telle manière à ce que vous puissiez gagner beaucoup si vous travaillez beaucoup à promotionner ces liens en question. C'est une activité honnête, légitime, prometteuse, bien rémunérée et qui peut être à la fois une source d'activité complémentaire ou une source d'activité principale. Quand je parle d'activité légale et légitime et honnête, ce sont des activités de commerce où on vous donne un pourcentage sur ce que vous vendez. Si vous êtes un vendeur de voitures dans une concession et que le patron vous fait travailler au pourcentage, eh bien vous gagnez de l'argent que si vous vendez. C'est exactement pareil. En fait, ici, si vous arrivez à convaincre des gens à investir dans le projet, eh bien on vous reverse une commission. C'est un peu comme si vous étiez un VRP ou si vous étiez quelqu'un, mais vous êtes à votre propre compte. Donc, vous allez pouvoir payer vos impôts, vous allez pouvoir payer vos charges personnelles et en fait, vous êtes votre propre patron. Et vous le savez bien, c'est, admettons, vous avez un magasin. Vous avez un magasin, vous avez ouvert un magasin à titre personnel, à votre compte. Et que, en fait, dans ce magasin, eh bien, vous n'allez ouvrir qu'une heure par jour. Hein, vous n'allez gagner que de l'argent pendant une heure par jour. Par contre, si vous vous levez le matin de bonne heure et que vous fermez tard le soir, eh bien, vous aurez peut-être un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Là, c'est exactement pareil. Si vous travaillez toute la journée à promotionner le projet, eh bien, vous gagnerez de l'argent. Si vous ne le promotionnez pas, eh bien, vous ne gagnerez rien. L'avantage, c'est que la société n'investit pas dans la publicité. C'est-à-dire que l'investissement dans les partenaires est beaucoup plus payant parce qu'elle est au résultat. Si vous trouvez des gens qui vont investir et qu'on vous donne une commission, c'est qu'il y a vraiment un résultat derrière. C'est-à-dire que si la personne paye, vous avez une commission. Si la personne ne paye rien, bien, vous n'avez pas de commission. Au même titre que si les gens ne payent plus leur pack, eh bien, vous ne recevez plus de bonus. Donc, c'est également votre rôle en tant que partenaire, parrain peut-être de certains nombres de filleuls qui ne payent pas, de les inciter à payer. Parce qu'en fait, cela se répercute sur votre chiffre d'affaires. Cela se répercute sur votre rémunération. Donc, il est aussi important de reprendre les choses en main et d'appeler tous les gens que vous connaissez qui ont peut-être abandonné leur pack pour une raison ou une autre, mais qui ont souvent la possibilité, grâce aux promotions que propose Solar Group, de les rattraper. C'est le cas en ce moment. Donc, profitez-en et profitez de cela. Les programmes de partenariat de Solar Group permettent de travailler à temps partiel, à temps plein. Tout dépend, bien sûr, du désir et de la capacité de chacun, du temps qu'on veut consacrer. Il y en a qui n'ont absolument pas le temps parce qu'ils ont plein de choses à faire, mais qui peuvent toutefois eh bien, consacrer un tout petit peu de temps. Avec un emploi à temps partiel, eh bien, vous pouvez consacrer à la promotion du projet eh bien, votre temps libre et percevoir à la fois des revenus complémentaires et la possibilité d'investir pour gagner de l'argent plus tard par le biais du financement que vous avez fait. C'est-à-dire que cet argent que vous avez investi à un moment donné, vous allez pouvoir en avoir les retours sur investissement, ce qui est absolument différent d'avoir des commissions chaque fois que vous emmenez quelqu'un. Si vous consacrez eh bien, tout votre temps, eh bien, je vous conseille de le faire à fond, à 200%, pour que vous puissiez développer en peu de temps eh bien, une équipe
une équipe de partenaires et ainsi gagner beaucoup plus d'argent et de façon passive, comme on dit. L'entreprise de partenariat avec Solar Group, c'est une activité principale d'un partenariat dans lequel on gagne par la formation, la mise en œuvre stratégique du produit et du projet. C'est-à-dire que, il faut quand même avoir une petite notion, avoir quelques petites idées, savoir contacter des gens, savoir un petit peu parler. Alors oui, c'est pas toujours facile, hein. Dans le cadre de l'entreprise de partenariat, il y a possibilité de créer des actifs financiers, des revenus de base ici et maintenant, d'investissement, de revenus passifs, des investissements pour l'avenir. Vous avez également des clients qui sont des partenaires, donc des côtés intellectuels, des compétences acquises, des expériences. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont beaucoup plus intelligents que vous encore et qui vont développer peut-être des tas de choses et que vous ne connaissiez pas. Rencontrer des gens, parler à des gens, côtoyer des gens, c'est très intéressant tout ça de voir que le monde du partenariat peut vous faire avancer. L'avantage de l'entreprise de partenariat chez Solar Group, c'est premièrement un démarrage facile et un système d'apprentissage étape par étape. Ça, c'est déjà un avantage. Ensuite, tout le monde peut commencer cette activité de partenariat. Pour commencer, vous n'êtes pas obligé d'avoir des bagages, d'avoir un capital ou d'avoir une formation spéciale. Toutes les connaissances nécessaires du travail sont fournies par l'entreprise dans le cadre de formations gratuites que vous avez, notamment des PowerPoint comme celui que je suis en train de vous présenter ce soir. Vous voyez, il n'y a rien de spécial, hein. Tout simplement, on a un document qui est là et qui vous permet de travailler dessus et d'expliquer les choses. Tout ça, c'est disponible au retrait après que les partenaires aient investi. C'est-à-dire qu'on peut aussi retirer de l'argent. Vous ne pouvez pas seulement investir, mais vous avez aussi possibilité de retirer l'argent que vous gagnez. Et ça, ce n'est pas négligeable non plus. Ça dépend du temps, bien sûr, que vous êtes prêt à consacrer quotidiennement à ce business. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, une accessibilité, une transparence totale, ça aussi, c'est quelque chose d'important. L'accessibilité et la transparence, ça veut dire que tous les jours, on poste des informations sur le projet, que ce soit des informations sur Solar Group, que ce soit des informations sur le projet et le développement de la construction chez Sauvelmash. La société a créé toutes les conditions pour que les partenaires aspirent à quelque chose d'important et puissent améliorer bien leurs compétences, se développer, avoir une équipe qui les aide, augmenter leur statut de partenaire et avec lui augmenter bien sûr ses revenus et recevoir de l'argent et gagner de l'argent. C'est ça qui est important. Aussi, les outils modernes et du matériel gratuit. La société fournit à tout un chacun eh bien, les besoins qu'il a en matière de webinaire, comme ce soir, en présentation qui sont gratuites et auxquelles vous allez pouvoir assister dans de nombreux pays. La société fournit ce dont vous avez besoin pour mener votre entreprise de partenariat bien, avec des documents, des replays de webinaire, des documents comme je vous présente, je vous l'ai dit, qui sont téléchargeables tout simplement dans votre back-office, dans le site Solar Group. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, eh bien, vous trouvez tous ces outils-là. Vous avez aussi des images qui sont là et que vous pouvez réutiliser, qui sont en téléchargement. Il s'agit d'une plateforme avec un back-office, que vous connaissez peut-être déjà pour certains, d'un contenu texte, de contenu vidéo aussi, parce qu'on a beaucoup de vidéos, notamment des vidéos de la construction, où nous étions d'ailleurs avec Barbara, mon assistante, la semaine passée, et où nous avons effectivement eu l'occasion eh bien, de visiter le chantier du bureau technique et d'ingénierie qui est en train de se monter. Et puis, vous avez une atmosphère d'aide et de soutien qui est là grâce aux autres partenaires. Solar Group, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une communauté internationale de personnes qui partagent les mêmes idées, où le succès de chacun eh bien, dépend de ce que chacun peut apporter, de chaque particulier qui dépend du succès de toute l'équipe. C'est-à-dire qu'on vous conseille avant tout d'aider les personnes pour que vous réussissiez vous-même. Si vous aidez d'autres personnes, eh bien, vous allez réussir vous-même aussi. Vous pouvez toujours vous demander de l'aide, du soutien, notamment aux personnes qui sont avec vous ou aux partenaires nationaux, tels que moi-même ou à mon assistante Barbara. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs déjà assez nombreux tout au long de la journée. D'ailleurs, ce soir encore, je vous l'ai dit, Barbara va vous distribuer pour certains, s'ils n'ont pas encore reçu, un code de promotion de 5% de réduction sur le premier versement de l'achat d'un nouveau pack. Je dis bien d'un nouveau pack. Si vous n'en avez pas besoin parce que vous-même,
n'avez pas de nouveau pack à prendre, eh bien, utilisez-le justement pour inciter un filleul à prendre un nouveau pack. Et là, vous allez pouvoir lui faire cadeau justement de ce code spécial pour que cette personne soit incitée à acheter un pack et que vous, de ce coup, vous allez pas tout de suite gagner de l'argent. Ensuite, il faut savoir que parfois les gens nous disent oui, mais c'est limité. Alors, sachez que c'est limité tout simplement par votre propre volonté. C'est vous qui allez mettre les limites dans le désir de gagner de l'argent. Si vous impliquez que vous faites quelque chose, eh bien forcément, vous allez avoir des résultats. La croissance des revenus de chaque partenaire entraîne une croissance de revenus de l'ensemble de l'entreprise. Si vous travaillez et que vous travaillez à fond, et nous avons eu des témoignages récemment encore de gens qui étaient venus nous voir dans les présentations en direct au Bénin et qui nous apportent leur témoignage en nous disant, moi, au début, j'ai travaillé dur parce qu'il fallait travailler dur. Et en fait, si vous ne travaillez pas et si vous mettez pas un petit peu de volonté dans ce que vous faites, eh bien, vous ne réussirez pas forcément. C'est pour ça, nous avons un climat d'entraide, de partenariat, de respect, de reconnaissance pour le mérite des gens et qui permettent d'atteindre des statuts. Et tout ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons la promotion professionnelle du partenaire. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, là, nous avons la possibilité de passer de partenaire à spécialiste, master, expert et professionnel. Et maintenant même, nous avons un tout dernier statut qui vient d'apparaître la semaine passée. Il s'agit de président. Le plan de marketing de Solar Group me définit donc des récompenses et des outils d'encouragement. C'est ce qu'on appelle un plan de carrière, en fait. Et représente une échelle de carrière. Comme je le disais, le partenaire monte progressivement en relevant des défis avec succès et obtient plus de dollars à chaque fois. Dans Solar Group, il y a maintenant six statuts de partenaire. Je vous montre encore une fois, partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel, et celui qui n'est pas dessus, c'est président, qui vient d'apparaître la semaine dernière et qui est donc un nouveau statut pour ceux qui ont déjà atteint le niveau de professionnel. C'est peut-être intéressant de se pencher sur le fait de devenir maintenant président et d'atteindre le plus haut niveau dans le partenariat Solar Group. Alors, l'expansion mondiale est assez importante, il faut le préciser. Les participants du projet, investisseurs et partenaires de Solar Group, peuvent même vivre dans presque tous les pays du monde. Le plus grand nombre réside dans le pays où des bureaux de représentants nationaux ont été ouverts par la société. Et je voudrais vous rappeler que je suis partenaire national de sept pays, sept, chiffre sept, et dont six africains. Et que dans l'ensemble de ces pays, effectivement, nous avons plus de gens qui participent aussi parce qu'on arrive un peu plus à leur montrer des choses, à avoir des présentations en direct dans les salles, d'avoir des présentations en webinaire comme ce soir. La stratégie de développement du réseau du bureau de représentation nationale permet à l'entreprise de se développer et d'atteindre l'objectif financier en temps opportun pour le projet des moteurs d'innov, parce que chaque fois, il y a des objectifs, chaque mois, chaque étape est un objectif et cet objectif doit être atteint. Et plus ça dure longtemps que les investisseurs mettent pour participer, et plus on a de longueur qui se rallonge dans le processus en lui-même. Ça permet de former un cercle d'investisseurs et de partenaires fidèles dans de futurs projets, parce que si on a d'autres projets qui viendront à l'avenir, eh bien Solar Group permettra à ces personnes de pouvoir y adhérer beaucoup plus facilement parce qu'ils auront déjà la connaissance et la confiance dans la société. En associant de nouveaux pays au projet, eh bien, nous formons une communauté internationale de personnes capables de réaliser la mission de récolter l'ensemble des fonds nécessaires, 60 millions de dollars pour le projet des moteurs de Unov, et de renforcer le positionnement de Solar Group à travers le monde comme un acteur international important dans le domaine de l'investissement participatif. Et c'est aujourd'hui déjà le cas, et on s'en rend compte par le biais de ce qui se passe. Alors, de promouvoir nos projets sur le marché international, c'est important aussi, parce que les statistiques internes de Solar Group montrent que la part des investisseurs, par exemple de la Russie, est de 26% par rapport au nombre total du projet. Et que 53% des investisseurs attirés par la société représentent l'ensemble des autres pays à travers le monde. Fin 2021,
Les bureaux de représentation nationaux de Solar Group ont été ouverts dans 19 pays: France, Allemagne, Italie, Bulgarie, Hongrie, Croatie, Inde, Indonésie, Vietnam, Népal, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun, Burkina Faso, Nigeria, Pérou, Équateur, et il doit manquer l'Italie dans le lot. Non, je l'ai déjà dit. Eh bien, voilà donc les différents pays qui ont ouvert des. Nous avons également, bien sûr, d'autres pays qui vont adhérer. Il paraîtrait-il qu'il va y avoir le Kazakhstan, il va y avoir d'autres pays également qui vont avoir des ouvertures de représentation nationale dans les mois et dans les années à venir. Les partenaires nationaux de Solar Group, eh bien, on va en parler un peu. J'en fais partie, me voici, me voilà sur une des photos. Eh bien, les partenaires les plus actifs dans leur pays obtiennent parfois le statut de représentant national de Solar Group. Vous voyez que pour ma part, eh bien, il y a beaucoup de drapeaux. Et qu'en l'occurrence, eh bien, le statut de partenaire national est le plus honorable de l'entreprise. C'est même mieux que président, apparemment. Président, c'est intéressant aussi, hein, je vous le dis tout de suite, c'est quand même un statut extrêmement élevé, hein. Ce sont ces partenaires qui apportent la contribution la plus significative de la mission de l'entreprise. Il faut préciser qu'ils sont venus dans l'entreprise de partenariat avec le statut de partenaire, c'est-à-dire que moi aussi j'ai commencé en 2018 en étant partenaire et en achetant un pack de 500 dollars à raison de 50 dollars par mois, et qu'aujourd'hui, eh bien, on peut se permettre d'avoir plusieurs millions de parts en n'ayant investi que 50 dollars par mois au début, et peut-être pour ma part qu'une seule fois. Donc, c'est aussi un avantage de pouvoir acquérir de nombreuses parts à travers le système de partenariat. Alors, les outils de partenariat de Solar Group sont également assez nombreux. Dans le back-office automatisé, vous trouverez des documents de marketing nécessaires pour le travail, des liens de partenariat, un système de statistiques, des analyses, des choses qui sont efficaces. Vous avez également une assistance en ligne technique 6 jours sur 7. Pas le samedi, je précise, ainsi que des réponses à vos questions qui sont basées sur les connaissances du projet de l'entreprise, notamment des annonces, des vidéos, et vous avez également, je vous le dis, ce service d'assistance en ligne qui vous permet de mieux connaître et comprendre le projet. En outre, Solar Group, eh bien, fournit une assistance d'information grâce à ce système qui est de mise en ligne avec des personnes qui vous répondent. La direction a également mis en place des promotions. Ce sont des outils de partenaires supplémentaires. Ce sont des promotions qui seront de nouveau en vigueur à partir du 1er avril 2022. Des promotions qui vous offriront des cadeaux, de l'argent, des réductions sur les investissements, des possibilités de promotion pour pouvoir acheter mieux et encore mieux et à de meilleures conditions encore. Donc, c'est dans le back-office. Il y a une rubrique promotion qui contient les informations sur les offres spéciales en cours. Actuellement, la promotion en cours, c'est celle de pouvoir restaurer les packs annulés. Donc, si vous avez un pack annulé même depuis 2 ans, eh bien, vous pouvez le remettre sur les rails en ne versant qu'une seule et unique mensualité. Et après, vous payez de nouveau 30 jours après si votre pack n'est pas sur le point d'être terminé. Cela permet aux partenaires non seulement d'investir de manière rentable, mais aussi de motiver les autres personnes qui ont peut-être abandonné des packs à les récupérer. La sous-rubrique promotion pour les partenaires décrit des promotions qui aident les débutants à démarrer, à avoir des avantages par rapport aux autres personnes. Et tout cela va être complété, je vous l'ai dit, à partir du mois d'avril de nouveau. Et en même temps, vous recevez des cadeaux de bonus, notamment le cadeau que vous pouvez offrir à 50 personnes par mois, c'est-à-dire 100 parts gratuites que vous pouvez distribuer à toute personne. N'oubliez pas non plus que les personnes à qui vous allez offrir ces 100 parts gratuites, eh bien, vous devez lui demander de faire la vérification de son compte. D'une part, ça va lui servir de pouvoir acquérir les parts qu'il a gagnées, de pouvoir générer un certificat, ne serait-ce que pour les 100 parts gratuites. Elles sont vraiment gratuites et vous pouvez lui prouver justement en faisant la vérification du compte et en faisant le nécessaire pour lui faire obtenir un certificat sur papier que la personne va pouvoir utiliser pour le montrer à d'autres personnes et pour montrer qu'effectivement, c'est vraiment gratuit. Et en même temps, eh bien, nous recommandons à toutes les personnes qui sont partenaires d'étudier et d'utiliser les promotions dans leur travail parce que c'est quelque chose d'utile. Et je vous l'ai dit encore une fois et je vous le répète, à partir du 1er avril 2022, vous allez avoir de nouvelles promotions qui vont apparaître
Donc, soyez un peu patient et vous allez voir des choses très intéressantes qui vont vous permettre d'avancer encore et encore. Alors, il y a des étapes simples pour devenir partenaire. Pour devenir partenaire sur la groupe et gagner de l'argent, bien sûr, eh bien avec nous, eh bien, vous devez vous inscrire sur le site avec le lien ou en tout cas recevoir 100 parts de la part de la personne qui vous a invité. Si vous n'avez personne qui vous a invité, eh bien, vous pouvez venir vers moi. À ce moment-là, je peux également vous inscrire, pardon. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si quelqu'un vous a amené jusqu'ici, adressez-vous à cette personne et surtout demandez-lui de vous offrir 100 parts gratuites, parce que la personne a l'occasion de le faire. Certaines personnes ne sont pas au courant et ne le font pas. Alors, ne prenez pas juste un lien de parrainage, mais utilisez plutôt la possibilité de gagner 100 parts gratuites. Posez la question à la personne, si elle ne sait pas, orientez-vous vers moi, je lui expliquerai à la personne comment faire. Vous allez dans votre compte Solar Group, vous cliquez sur cadeau et vous offrez un cadeau à la personne en l'inscrivant avec son nom, son prénom, son adresse email et son numéro de téléphone. Et ensuite, vous devez lire le contrat de partenariat, vous devez aussi lire le contrat d'investissement, vous devez signer tous ces deux documents. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à agir, vous allez pouvoir commencer à en parler autour de vous et gagner de l'argent dès la première mise de quelqu'un que vous aurez ramené. Faites partie de la communauté Solar Group, c'est une bonne chose. Le pouvoir de l'investissement participatif est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui touche des centaines de milliers de personnes et de petits efforts de chacun, eh bien, permet d'obtenir des résultats incroyables. Nous pouvons dire aujourd'hui que Solar Group est une société qui tient la route, que Solar Group est une société qui paye les gens depuis 4 ans et demi et que chaque jour, vous pouvez même retirer votre argent. Attention, pour retirer l'argent, vous devez avoir investi 200 $ minimum personnellement. Et vous devez attendre que vous ayez 50 $ minimum pour retirer cet argent. Voilà donc pour les quelques indications que je pourrais vous donner. Voilà donc pour l'invitation que je peux vous lancer à adhérer à Solar Group. Je vous ai expliqué en long, en large et en travers comment fonctionne Solar Group. Ici, vous avez sur cette image très grandiose à l'époque où il n'y avait encore tous les arbres que vous voyez derrière étaient sur le terrain, eh bien, où il y a aujourd'hui la construction. Et je peux dire une chose, c'est que bien sûr, tout cela aujourd'hui a bien changé. Il y a la construction en question, mais vous me voyez là avec le drapeau français, presque vers la gauche, là, voilà, le dernier drapeau à gauche, c'est le drapeau français. Et vous me voyez donc ainsi avec ce drapeau-là. Alors, je reviens à présent ici. Je viens voir que Barbara me dit qu'elle a envoyé les codes à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Je vous prierai de les poser dans le chat pour que vous puissiez aller les voir. Moi, de mon côté, je voudrais en attendant eh bien, vous chercher une petite vidéo. Je pense que ça pourrait être utile pour vous montrer eh bien, à quel point nous avons eu l'occasion de visiter le terrain, à quel point Solar Group est une réalité, à quel point le projet des moteurs d'IU9 est quelque chose de très sympathique. Et pour cela, je vais partager dans quelques secondes eh bien, ma petite vidéo en question pour que vous puissiez voir exactement comment ça s'est passé sur le terrain. Alors, je vous prie eh bien, de suivre un petit peu la chose, de voir si effectivement vous allez pouvoir vous reconnaître en notre visite, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous sommes un peu les porte-parole, moi-même et Barbara, qui avons été sur le terrain pour vous apporter justement certaines preuves que ce projet est un projet viable, un projet intéressant et que c'est un vrai projet qui est effectivement mené à bien sur le terrain en question là-bas du côté de Zelenograd. Le temps de voir si effectivement j'ai bien partagé le son, oui. Eh bien, allez, c'est parti. Je vous laisse quelques petits instants avec cette vidéo intéressante. Bonjour,
Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovel Match. Je suis Alexandre Soudarev. Aujourd'hui, je veux vous parler de la journée passée, à savoir le 18 février 2022. Ce jour-là, Sovel Match a été visité par la délégation composée des représentants de la société Solar Group, à savoir Gilles Weber, partenaire national de Solar Group dans plusieurs pays, France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun et Burkina Faso. Barbara Sakekina, partenaire principale de Solar Group au Bénin et assistante de Gilles Weber, était également présente dans la délégation. Beaucoup de gens savent que la société Solar Group est engagée dans la diffusion d'informations sur le projet Sovel Match dans le monde entier. Cela passe notamment par le travail des partenaires nationaux. Dans le cadre de l'événement, le 18 février, une visite guidée du chantier a été réalisée, ainsi qu'une démonstration des succès obtenus par nos vaillants constructeurs pour la construction du BTUI. Et aussi, à la demande de Gilles Weber, une émission en direct du studio de Sovel Match, dans laquelle Gilles était le présentateur, a été diffusée. Vous pouvez regarder ce webinaire en suivant le lien dans la description et en visitant la chaîne des moteurs de Yonov. Le résultat de l'événement peut être nommé le fait que le projet franchit à grands pas non seulement la Fédération de Russie, mais aussi tous les continents du monde. À ce jour, des milliers de personnes sont unies par un seul objectif. Le nombre de participants au projet augmente chaque jour. Et avec cela, la reconnaissance de la technologie proposée par l'équipe de développeurs augmente également. Plus on parle du projet et de la technologie de bobinage combiné, plus la demande de l'entreprise en ce qui concerne l'application de cette technologie dans ses produits finaux est grande. N'oubliez pas que le projet se compose de nombreux éléments, de nombreuses tâches, de nombreuses réalisations qui restent à accomplir. À la base, le projet Sovel Match est unique et il y a une opinion que nous allons dans le bon sens. Je veux nous souhaiter bonne chance du succès et je crois sincèrement que le projet sera mis en œuvre. Assurez-vous de vous abonner à nos réseaux sociaux, suivez les nouvelles, restez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet Sovel Match. Au revoir. Voilà, vous voyez qu'il y a bien des choses qui se sont passées. Eh bien, on nous parle des conséquences des conflits qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Je voudrais répéter une fois de plus, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, que nous avons été rassurés d'une part par Dmitri Duhunov, qui nous explique que le marché interne de la Russie est suffisant, j'en ai parlé tout à l'heure, pour avoir une ou deux ou trois commandes, c'est suffisant déjà. La Russie est un pays qui est grand et qui a des besoins en moteurs électriques, notamment pour l'industrie, pour l'industrie automobile aussi, pour lesquelles ils ont fait des démarches pour participer à l'effort national. Nous avons également tout le marché asiatique, un des plus grands marchés du monde, parce que ce sont les Asiatiques, rappelez-vous, qui vendent la plupart des moteurs à travers le monde et que donc cette technologie les intéresse et permet également de vendre de la technologie. Donc, toutes ces choses-là font que, par exemple, si on prend en considération le fait que la Russie n'ait plus le droit d'importer du matériel, bien, ce n'est pas un problème. Justement, ça va permettre à Sovel Match de développer des moteurs avec une fabrication interne. Je vous rappellerai qu'ils ont maintenant la possibilité de créer tous les moteurs grâce aux pièces réellement réalisées que par Sovel Match. Et qu'en fait, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Donc, voyez-vous que de ce côté-là, il n'y a donc rien à craindre. Récemment aussi, si vous n'avez pas suivi l'actualité, je vous invite vraiment à lire tous les jours les annonces, eh bien, Sergueï Semyonov, qui est donc le PDG et que vous avez peut-être vu sur les images avec nous en Russie, eh bien, nous a tout de même signalé une fois de plus que la société Solar Group n'est pas en Russie, je le rappelle encore une fois, et que de ce fait, il n'y a absolument rien à craindre non plus, parce que vous faites des paiements sur la plateforme qui n'est pas en Russie, et vous recevez des paiements sur une plateforme qui n'est pas en Russie. Donc, en fait, où se situe réellement le problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Et donc, de ce fait, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous savez, si je peux juste me permettre une chose, et nous ne faisons pas de politique, mais nous faisons du business. Le business, c'est le business. La politique, c'est la politique. Et si vous êtes le nez accroché à votre téléviseur occidental toute la journée, vous n'avez qu'un seul son de cloche. Alors, changez un peu de vie. C'est comme quand il y avait le Covid.
En fait, on nous rabâchait toute la journée Covid, 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 Covid. En fait, vous vous sortiez à la fin, vous aviez une tête grosse comme ça et vous pensiez que tout le monde allait s'écrouler. Aujourd'hui, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'après-Covid. Il y a des gens qui tombent malades mais qui sont soignés, des gens qui tombent malades et qui guérissent. Et on en va même jusqu'à enlever en France, par exemple, le pass sanitaire. Donc, à un moment donné, on nous a bourré le crâne avec le Covid. Alors que finalement, dans certains pays africains, eh bien, il y a de loin pas ce qui s'est passé, notamment par exemple en France. Mais on nous a tellement bourré le chou, comme on dit, à travers les actualités occidentales, que les gens en sont devenus eux-mêmes malades. Attention, hein, je n'ai pas dit que les gens ils avaient attrapé le Covid en regardant la télé, hein. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont devenus mentalement malades juste par le fait d'entendre parler de Covid toute la journée. Et bien là, c'est pareil. C'est pareil parce qu'on vous ravage des choses, mais on ne vous donne pas, on ne vous donne pas toutes les vérités. On vous donne pas, on fait aussi de la propagande. On dit que la Russie fait de la propagande. Mais vous savez que les Occidentaux aussi font de la propagande. En fait, tout le monde fait de la propagande. Donc, en fait, vous ne croyez que certaines choses qui sont regardées à la télé et vous ne voyez pas les autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à titre personnel. Et moi, je ne fais pas de politique, je fais du business. Donc, accrochez-vous au business. Voyez l'avenir que peut avoir la société malgré les conflits, et quels que soient les conflits, et Dieu sait qu'en Afrique, par exemple, vous avez eu beaucoup de conflits à travers le temps, eh bien, ça s'est toujours terminé. Et si la société Sauvelmash entre en bourse d'ici 2 ou 3 ans, eh bien, très certainement que tout ça, ce sera déjà amenuisé et que ce sera derrière nous. Donc, partez confiant, même si ça ne devait pas être le cas, la société Sauvelmash gagnera de l'argent à l'avenir. Même s'il y a des conflits, eh ben, elle devra travailler aussi, peut-être même pour malheureusement l'armée, mais elle aura aussi peut-être des clients de ce côté-là. Donc, vous avez aussi des possibilités de gagner de l'argent sous les actifs de ce que développe cette société à l'international, parce que personne n'a demandé à avoir un blocage par rapport à la technologie. Et la technologie, ça s'exporte, par exemple en Chine avec Victor Arestov. Voilà, c'est un autre exemple. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi ce soir. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vais vous abandonner. Vous aurez l'occasion d'inviter des personnes à voir le replay. Invitez d'autres personnes encore à regarder la rediffusion de cette soirée sur YouTube, sur notre chaîne officielle française. Utilisez bien les bons de réduction que vous a envoyé Barbara. Comment les utiliser? Lorsque vous achetez un pack pour la première fois, il y a un endroit où il y a marqué code promotionnel. Avez-vous un code promotionnel? Vous cliquez sur la case et vous rentrez le code qu'on vous a donné. Ça devrait vous afficher 5% du montant initial en moins. C'est-à-dire, si vous mettez 100 dollars, eh bien, vous allez avoir 5 dollars de réduction. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir utiliser les 5 dollars pour votre prochaine échéance. Elles resteront sur votre compte et vous n'aurez pas de débit de ces 5 dollars. Voilà. Si c'est 50 dollars, ça sera 2,50. Mais c'est toujours ça de gagner. Au moins, ça vous aura payé, je sais pas, le forfait Internet ou l'électricité que vous avez utilisé pour me regarder ce soir. Très bonne soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres informations, notamment le domaine du partenariat et également le domaine de l'explication du projet des moteurs de Unoff. Donc, nous aurons l'occasion de reparler du projet si vous avez des invités à ramener. Invitez les gens, je ferai également des promotions. J'offrirai très certainement encore des codes promotionnels la semaine prochaine. Lundi prochain à 21h, n'hésitez pas à venir pour que vous aussi, vous puissiez ramasser un code et aussi peut-être l'offrir à un de vos futurs filleuls. Nous allons parler de partenariat, de chiffres, de président. Nous allons parler de tous ces statuts en long, en large et en travers et en détail. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, excellente soirée à vous et à bientôt.